le grand retour du Miracle Morning, les copains. Les co-créas, plutôt. Il est 9h, salle de sport. Voilà. Bonjour chers co-créas, c'est Vince. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le jour 65 de ce défi des 100 jours, saison 11, je crois. Défi des 100 jours, saison 11. Donc c'est sur le défi vie extraordinaire, parce que le défi abondance, je l'ai un petit peu abandonné. Je pense le reprendre prochainement, mais je vais peut-être attendre d'abord de terminer ce défi-là. J'ai voulu en faire deux en même temps et c'était assez compliqué. En fait, aujourd'hui, voilà, je sors de la salle de sport. Donc il est 9h, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, j'ai repris là depuis hier, plus clairement, le Miracle Morning. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui ne se rappellent pas ce que c'est Miracle Morning, dans mes anciennes vidéos, j'en avais parlé, je n'avais pas tenu mes engagements. En fait, le Miracle Morning, c'est une routine matinale que vous allez effectuer tous les matins. Voilà. Vous allez vous lever une heure plus tôt que d'habitude. Bon, bien sûr, après, sous réserve, si vous avez le temps ou autre chose, c'est-à-dire que si vous vous levez à 5 heures, vous n'allez pas vous lever à... alors d'habitude vous vous levez à 4h, vous n'allez pas vous lever à 3h. Vous pouvez faire cette routine matinale en fait sur un petit laps de temps, c'est-à-dire que normalement cette routine elle se fait pendant une heure, après vous l'adaptez. Mais j'avais fait ça l'année dernière, j'étais vachement motivé, ce qui fait qu'en fait le matin il faut faire 10 minutes de silence, 10 minutes d'affirmation positive, 10 minutes de visualisation positive, 10 minutes d'écriture, 10 minutes de lecture et 10 minutes de sport. Donc ça, après vous adaptez, vous pouvez faire soit en 5 minutes de chaque ou 2 minutes, 1 minute, voilà, vous adaptez en fonction de votre timing. Après c'est l'habitude qui va naître par rapport à ça. Et donc du coup moi je me suis dit pourquoi pas reprendre là depuis que j'ai repris un petit peu, que j'avais mis en stand-by mon développement personnel. Voilà, j'étais un petit peu déprimé, je vais pas vous le cacher. Voilà, une petite déprime qui bien sûr est tout à fait logique. Et en fait voilà, depuis que j'ai repris ça hier matin, donc j'ai fait mes 10 minutes de silence, mes 10 minutes d'affirmation positive, j'ai fait tout ça et j'ai repris le sport également. Donc j'ai retrouvé mon pote coach Karim. D'ailleurs je me fais coacher par lui jeudi, c'est-à-dire demain. Et puis voilà, donc du coup j'ai repris aujourd'hui, là, je me suis levé pareil à 6h, 6h30. J'ai fait mes petites routines, alors après j'adapte ma petite routine en fait, j'ai fait pas exactement ce qui est dans le livre parce que voilà, j'essaye de l'adapter à moi. Donc je m'écoute mes affirmations positives que je m'étais déjà enregistrées, j'écoute des affirmations positives qui existent déjà, je fais mon écriture, je fais ma lecture, je fais mon sport, je fais ma cohérence cardiaque maintenant, j'essaye de faire de la cohérence cardiaque 3 fois par jour parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de fluidifier un petit peu les pensées négatives, c'est-à-dire de synchroniser le corps, le cœur et le cerveau. Je vous expliquerai ça peut-être dans une prochaine vidéo sur la cohérence cardiaque. Mais voilà, pour vous dire que on se sent mieux même après une petite demi-heure de sport, voilà, de faire tous les jours en fait, ça fait super du bien. Le Miracle Morning c'est ça en fait, c'est de donner un chemin à notre journée en fait. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit on vit notre journée en fonction, je sais pas comment vous le dire, en plus je suis en train de conduire donc c'est assez compliqué de regarder la route et de vous expliquer. Au lieu de subir votre journée, voilà, ben vous allez déjà lui donner un sens et lui donner un chemin en fait dans lequel vous allez vous glisser. En clair c'est ça, voilà. Donc du coup voilà, je voulais vous annoncer ça pour le jour 65, qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées rien que hier déjà suite à cette belle journée. Je suis tellement heureux de vous le partager en vidéo. Je suis tellement heureux de reprendre le défi des 100 jours et je m'aperçois qu'en le reprenant, ben, ça va beaucoup mieux. Et puis voilà, et je vous remercie infiniment pour les commentaires que vous me laissez, les pouces bleus, les abonnements qui commencent à grimper petit à petit, les commentaires sur Facebook par rapport à mes vidéos. J'ai tellement de gratitude par rapport à ça et tellement reconnaissant de l'amour que vous me donnez que ça me donne encore plus envie d'en faire et de continuer sur cette voie-là. Voilà, voilà, voilà. Donc les amis, je vous fais des énormes bisous. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à mettre un petit commentaire pour dire qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour améliorer mes vidéos. On reste que sur du statique, après je vais continuer à faire des vlogs, des projets qui arrivent encore par la suite. Voilà, je vais essayer de vous vendre un petit peu de belles choses, de vous inspirer, puis voilà. Allez, j'arrête cette vidéo, je vous fais d'énormes bisous les amis, je vous dis à la prochaine. Bye.